And I am Arif. I am from Afghanistan. Zamanum Jawad de Afghanistan. On est venu en maraude médicale, on a un médecin, deux interprètes et on est deux médiateurs. L'idée, c'est de montrer au commissariat aux réfugiés la situation de non-accueil qu'on a pour les exilés à Paris et en Ile-de-France. On est sur des demandeurs d'asile et des réfugiés. Ici, c'est majoritairement des Afghans, donc ils viennent quand même d'un pays en guerre. Il y a aussi un travail médical à faire, un travail de soutien psychologique et des détections des vulnérabilités qui est fondamentale, qui soit faite dès le début. Il y a également, du coup, sur le camp, des personnes qui ont obtenu la protection, qui sont donc réfugiées, mais qui n'ont pas accès au logement, qui ont des difficultés d'insertion par rapport au travail. Là, dimanche matin, de ce qu'on a cru comprendre, il y a quand même des policiers qui sont venus gazer des personnes endormies. Voilà, on est sur un level de violence un peu supérieur. The people come to like 200 people and they take from this place and to give a camp and after 1 week they throw out. Et donc ce matin, ça illustre très très bien le non-accueil, parce qu'en fait, il y a eu une mise à l'abri d'un dernier campement le 11 mai. Une trentaine de personnes, le soir même, étaient de retour, mais on les a empêchées de dormir sur place. La police est venue les déloger vers 8h du matin, je crois. Et depuis, on a des laissés pour compte de cette mise à l'abri et des primo-arrivants qui n'ont aucun lieu physique où se rendre pour demander la protection de la France et pour être hébergés, et qui donc se retrouvent à dormir dans les bois, ici. Avec du coup la police qui vient les réveiller. Donc ce week-end c'était à 8h du matin, puis c'est passé à 6h, 3h du matin, pendant la nuit, en début de soirée. Leur dire qu'ils n'ont pas le droit de dormir ici et qu'ils doivent partir, sans leur proposer de solution d'hébergement. Bien sûr, c'est des évacuations dites sèches, où il n'y a pas de provision de mise à l'abri. Les gens qu'on voit ici, ils n'ont jamais été SDF, ils n'ont jamais eu à vivre dans les bois, et là ils arrivent en France, le pays des droits de l'homme, et ils se retrouvent à vivre dehors. C'est des gens qui sont relégués de plus en plus loin de Paris, pour qu'on les oublie en fait, pour qu'on les voit de moins en moins. L'idée c'est juste qu'ils partent, qu'ils plient les tentes et qu'ils ne soient pas visibles. Et les policiers de France, ils ne comprennent pas le problème. The police is like that to help the people, not to give the stress to people. Nous, on constate vraiment avec notre équipe psy qu'il y a trois violences. Il y a celle du départ, donc la situation du pays, ça peut être l'extrême pauvreté, ça peut être une guerre, ça peut être un cataclysme. Il y a la violence du trajet, parce que potentiellement on va passer par la Libye si on est d'Afrique de l'Est, ou si on vient d'Asie centrale comme l'Afghanistan, on va passer par des zones frontières en Europe de l'Est où il va y avoir de l'enfermement, des tabassages, etc. Et puis il y a la violence de l'arrivée. On arrive ici, la situation de non-accueil, pour la première fois on se retrouve enfermé dehors avec nulle part où aller. Every time is the same situation, they come, the police they with spray like that, they shoot it out. The police will destroy us, you know. How we can sleep? If we don't sleep, we become crazy. Quand on rencontre des personnes qui sont à la rue depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, il y a une vraie détresse psychologique qu'on peut observer. Les soutiens psychologiques fait partie absolument des besoins fondamentaux des demandeurs d'asile. Moi, il y a 2 semaines, je suis allé visiter le centre de premier accueil pour les Ukrainiens à Porte de Versailles. Et en fait, nous, on applaudit des deux mains ce qui est en train de se faire là-bas. Il faut qu'il y ait un tel accueil qui continue pour les Ukrainiens, mais il faut qu'on obtienne la même chose pour toutes les nationalités. Aujourd'hui, si vous arrivez et que vous êtes exilé ukrainien, ce qui est super, c'est que vous êtes récupéré à la gare, on vous emmène dans ce centre, et en une heure, vous voyez l'OFI pour les papiers, vous voyez Pôle emploi pour le travail, vous voyez la Croix-Rouge pour le côté médical et pour un peu d'argent. Vous pouvez être logé sur place. Il y a 550 places d'hébergement d'urgence dans le centre de Porte de Versailles, et en ce moment,
il y en a par soir des fois 20, des fois 30, des fois 150 ou 200 places maximum qui sont utilisées. Et donc tous les lits, il y a au moins, tous les soirs, pardon, il y a au moins 300, 350 places d'hébergement qui sont libres. Il y a eu un élan de solidarité par rapport aux réfugiés ukrainiens, c'est clair, avec une directive sur la protection temporaire qui a été activée, avec beaucoup de droits et l'accès immédiat à l'hébergement et des bonnes pratiques aussi au niveau de l'intégration des Ukrainiens. Et les Ukrainiens qui ont fui la guerre sont dans la même situation d'autres catégories de réfugiés qui ont fui la guerre aussi. Il faudrait être vigilant pour donner le même droit et l'accès à la protection à tous les individus qui fuient des circonstances qui sont similaires. Les personnes qui restent à la rue des années et des années, ça, c'est quand même assez rare. Enfin, j'en vois assez peu ailleurs. À Paris, il n'y a même pas un tiers des demandeurs d'asile qui sont logés. Alors que c'est une obligation, c'est une loi européenne, c'est une directive européenne qui oblige normalement l'État français à le faire.